Tu veux perdre du gras pour l'été, mais tu peux aussi prendre de la masse musculaire en même temps. Il y en a qui disent que c'est faisable, il y a d'autres mondes qui disent que ça ne se fait pas. C'est qui a raison? Au final, les deux ont raison, mais ça dépend de deux critères que tu dois absolument remplir si tu veux perdre du gras et prendre de la masse musculaire. En même temps, c'est exactement les deux critères que je vais te dire aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans le power building, donc la prise de masse musculaire et l'augmentation des charges sur les gros mouvements de pause. Donc, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Je vais vous parler des deux critères que ça prend pour absolument perdre du gras et prendre la masse en même temps. Le premier, c'est que ça va dépendre du sport de où. Okay, si ça fait 10 ans que tu t'entraînes, tu n'as jamais arrêté, même quand les gyms ont fermé, tu as continué. Honnêtement, ça va être difficile de prendre la masse et perdre du gras en même temps. Okay? Pour ceux que ça marche vraiment bien, c'est ceux qui partaient de rien ou qui recommençaient. Okay? Fait que, on a des clients là, récemment qui sont rentrés, qui ont pris comme un 10 livres de masse en 3 mois. C'est quand même beaucoup parce qu'idéalement, c'est à peu près, pas idéalement, mais normalement, c'est à peu près un 10 à 20 livres par année, mettons. Là, lui, 10 livres en 3 mois. C'est parce qu'il a la meilleure génétique sur la planète? Non, c'est parce que, un, il ne s'entraînait pas dans un gym avant, il a arrêté pendant le COVID, puis il n'avait jamais eu de vraie structure avec l'échec musculaire, un coach, etc. Ben, clairement que ça va marcher, il va prendre de la masse et il va perdre du gras en même temps. Mais il partait vraiment d'un point où c'était comme sûr que ça allait fonctionner. Okay? Donc, le premier point à vous demander, est-ce que vous rentrez dans ces critères-là, c'est un, je pars de où? Est-ce que je reviens d'une blessure? Si la réponse est oui, probably que tu vas être capable de prendre de la masse musculaire et perdre du gras. Si tu n'avais jamais eu de coach auparavant, là, tu te prends un coach, probably aussi que tu peux rentrer dans ce critère-là, parce que tu vas prendre la masse musculaire et perdre du gras en même temps. Si pendant le COVID, là, ça fait quand même un bout que les gyms sont rouverts, honnêtement, là, mais au moment où je fais cette vidéo-là, ça fait être 3 mois-ish. Fait que, c'est sûr que si tu avais arrêté pendant le COVID, bien clairement qu'en recommençant, l'aspect de mémoire musculaire, ça se rattrape vite. Donc, clairement, tu peux perdre du gras, prendre de la masse en même temps. Ça se ferait très bien. Si ce que tu faisais au niveau de ta nutrition, avant de te mettre en, tu sais, plus structuré et plus sérieux dans ce processus-là, c'était de la merde. Puis, tu mangeais n'importe quoi. Tu mangeais pas assez de protéines. Mettons, tu étais un gars de 200 livres. Tu mangeais 100 grammes de protéines par jour. Ben, clairement, le fait de monter à 200, ça va te faire prendre de la masse musculaire et tu peux perdre du gras en même temps. Ça, c'est clair. Ensuite, au niveau de ton sommeil, tu sais, si j'ai déjà un client qui dormait comme 4 heures par nuit, il n'y a rien qui se passait. Okay? Puis du moment qu'on était capable de le faire dormir plus, ben clairement, il a pris beaucoup de masse musculaire très rapidement parce qu'il n'y avait juste pas assez une bonne récupération pour avoir les gains de masse musculaire nécessaires et voulus. Fait que, tu sais, de regarder aussi ton sommeil et comment actuellement, est-ce qu'il y a une possibilité de l'améliorer? Si oui, ben clairement, ça peut être un critère qui va te permettre de prendre la masse et de perdre du gras en même temps. Autre critère, c'est le stress. Si tu étais ultra stressé, donc le cortisol très haut, c'est honnêtement, c'est chronique là, depuis, je dis, je sais pas, 3, 4 mois, 5, 6, que vous êtes stressé sans bon sens. C'est clair que votre cortisol est très élevé chroniquement. Ça va être quasi impossible de prendre la masse musculaire. Okay? Mais si, pour X raison, vous réglez la source et le stress passe de 100 à 0, boum! C'est sûr que vous allez prendre la masse musculaire. Okay? Donc, il y a ça aussi à prendre en ligne de compte. Et le dernier point, c'est la constance. Ultimement, si votre niveau de constance à vous, c'est plus comme j'y vais 2 mois, j'arrête, j'y vais 1 mois, j'arrête, j'y vais 3 mois, j'arrête. Bien, clairement, là, si tu es capable d'y aller steady pour vrai 3, 4, 5, 6 mois et plus toute ta vie, tu vas prendre la masse, tu vas perdre du gras en même temps. Okay? Fait que le premier critère, c'est vraiment tu pars de où, point de vue stress, sommeil, constance, est-ce que tu reviens d'une blessure? Est-ce que tu as arrêté de t'entraîner? Est-ce que tu avais une bonne structure? T'allais-tu à l'échec comme tu t'entraînais-tu fort? Bref, tu pars de où? Ça va être vraiment le premier critère. Si tu t'entraînes depuis, tu sais, tu t'entraînes, tu es constant, tu dors bien, tu manges bien déjà, tu t'entraînes fort, comme déjà là, tu pars malheureusement avec une strike de moins ou ce que tu prendras peut-être pas de masse musculaire en même temps de perdre du gras. Ça veut-tu dire que tu peux pas prendre la masse, non? Ça veut juste dire que les deux en même temps, pour toi, c'est peut-être une petite affaire plus difficile. Il faut vraiment que tu rendes compte les autres critères que je viens de parler. Mon point numéro 2, ça va être à quel point tu es all-in dans tes 7 sphères
Pour ceux qui ne connaissent pas notre système HL7, les 7 sphères que tu dois optimiser pour avoir 100% des résultats, c'est l'entraînement, la nutrition, le sommeil, stress interne, stress externe, digestion et ton développement personnel slash mindset. Si tu es all-in dans ces 7 sphères-là et tu rencontres le critère numéro 1, je te le jure, tu vas prendre la masse et tu vas perdre du gras en même temps. Et bon, on a des preuves sans bon sens. C'est sûr que si tu veux prendre la masse musculaire et perdre du gras, il faut que tu sois all-in, sinon c'est clair que ça ne marchera pas. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça, sachant que peut-être que tu rentres dans un des deux critères ou même les deux. Donc, juste pour te rappeler, numéro un, le critère, c'est ça dépend, tu pars de où. Si tu es débutant, tu reviens d'une blessure, tu as pris une pause très longue, tu n'avais pas optimisé, tu es satisfait, donc le sommeil était vraiment de la merde, nutrition n'était pas sur la coche, tu étais stressé comme sans bon sens, et là, tu fais tous ces changements-là, c'est sûr que ça va fonctionner, même si tu as un déficit calorique, que je te le dis. Par contre, si tu pars pas de là, ça va être beaucoup plus difficile. Pour toi, tu es beaucoup mieux de dire « OK, je vais perdre du gras sans penser que je veux prendre la masse. » Puis après ça, je ferai une prise de masse. Puis là, je vais avoir mes calories plus hautes. Puis là, ça va super bien, bien fonctionner. Numéro 2, il faut que tu sois « all-in » dans tes 7 sphères. Okay? Ce que je veux dire par être « all-in » dans tes 7 sphères, on va les énumérer ensemble. Okay? Donc, un, j'ai dit c'était entraînement. Si tu veux perdre du gras et prendre la masse musculaire, 4 workouts par semaine, idéalement. Maximum 1 heure, c'est sûr que tu es capable de prendre la masse et de perdre du gras si tu fais 4 workouts de 1 heure par semaine, mais il faut que tu sois constant plus qu'un mois si tu veux que ça fonctionne. Suivre ta structure alimentaire à 90%. Donc, si tu es comme je n'ai pas de structure alimentaire, ben ça serait un premier point d'aller en chercher une ou de t'en faire une si tu as les connaissances pour. Parce que clairement, si tu n'as pas de structure alimentaire, ça va être pas mal difficile de gagner de la masse musculaire et de perdre du gras en même temps. Fait que, un coup que tu as une structure alimentaire, tu as respect 90%, une triche semaine, deux triches semaine, mais sinon, la majorité du temps, tu suis ta structure à 90%. Point numéro 3, tu dors ta nuit de 8 heures sans réveil. Ah, moi, je me lève pour aller aux toilettes. Non, tu ne te lèves pas pour aller aux toilettes, tu te réveilles, puis là, tu as envie de pisser, puis là, tu veux pisser. Okay? Tu ne peux pas te réveiller pour aller aux toilettes. C'est quand tu dors, okay, ça, le signal ne se rend pas au cerveau que tu as envie, quand tu es en sommeil profond. Il se rend juste quand tu es réveillé, mais tu n'es pas conscient que tu es réveillé. Là, le signal va se rendre. Là, tu vas être comme, ah, je me suis réveillé, ben, j'avais envie de pisser. Non. Tu t'es juste réveillé, puis après ça, tu as eu envie de pisser. Okay? Donc, vraiment, une nuit de 8 heures sans réveil, ça va me dire que ton sommeil est profond, récupérateur, et ça, c'est excellent pour ta sphère numéro 3, qui est le sommeil. Numéro 4, bien gérer ton stress. Comme j'en ai parlé tantôt, si ton cortisol est élevé 7 jours sur 7, tu vas prendre du gras et perdre ta masse musculaire. Okay? Donc, le contraire de qu'on fait cette vidéo-là, fait que bien gérer ton stress, c'est vraiment un point extrêmement important si tu veux être all-in dans tes résultats. Point numéro 5, ne pas t'ajouter du stress en malade. Donc, l'alcool, le cannabis, la caféine, t'entraîner 7 fois semaine, tout ça, ça va contribuer à faire augmenter ton cortisol. Est-ce que c'est mauvais de s'entraîner? Non. Mais si tu t'entraînes 48 heures par jour, je te le confirme que ça va être mauvais. Okay? C'est même affaire avec tout. Il faut que tu doses. Puis si tu prends 2-3 cafés par jour, tu t'entraînes 6-7 fois semaine, là, tu ne doses pas. Okay? Là, tu es plus du côté abus. Puis ça va faire si ton cortisol va encore là, il va être trop élevé chroniquement. Puis tu vas perdre du gras et tu vas perdre la masse et tu vas prendre du gras. Le contraire encore là de ce qu'on veut. Okay? Donc, dose vraiment le stress que tu t'ajoutes, sois intelligent à travers ça. La digestion, il faut qu'elle soit A1, donc je n'ai pas de gaz, maximum 10 par jour, je n'ai pas de ballonnement, je n'ai pas de reflux gastrique, je vais au sel au minimum une fois par jour, tu sois un gars ou une fille, c'est minimum une fois par jour, pas de constipation, pas d'alternance entre j'ai diarrhée, je constipe, etc. Okay? Donc, digestion doit être A1 si tu veux vraiment prendre la masse musculaire et perdre du gras. Et la dernière, la sphère du développement personnel, il faut que tu sois constant, il faut que tu sois discipliné. Parce que ça ne se fait pas en une semaine, perdre du gras puis prendre la masse. Ça se fait overtime. Mais il faut que tu sois constant, il faut que tu sois discipliné. Comme j'ai dit tantôt, il faut que tu suives une structure alimentaire. Il faut que tu ailles 4 fois au gym par semaine. Il faut que tu dormes ton 8 heures. Il faut vraiment que tu optimises tes 7 sphères si tu veux penser prendre la masse musculaire puis perdre du gras. Okay? Donc, wrap up nos deux. 1.
Demande-toi-les, je pars de où est-ce que je rentre dans ce critère-là? Si oui, check, je l'ai, je pourrais prendre la masse ou perdre du gras. Numéro deux, est-ce que je suis all-in dans mes sept sphères? Regarde-les. Training, oui, non. Nutrition, oui, non. Sommeil, oui, non. Et si vous voulez faire un test de vos sept sphères pour savoir est-ce que vous êtes ça coche, dans le lien du vidéo ou du podcast que vous écoutez en ce moment, il va y avoir un lien pour avoir notre livre version électronique HL7. Et là-dedans, tu as une auto-évaluation de tes sept sphères. Fait que tu vas savoir t'es à combien de pourcents ultimement, c'est comme un examen. Là. Tu vas savoir l'ensemble de tes sept sphères, ça te donne combien en pourcentage et chaque sphère est à combien de pourcents. Et petit in, tous ceux qui sont en bas de 80% n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Okay? Donc, tous ceux qui ont les meilleurs résultats dans nos clients sont en haut de 80%. Donc, vous pouvez regarder ça va sûrement vous aider à savoir c'est où que vous devriez mettre votre focus. Donc, un, vous partez de où? Deux, optimisez vos sept sphères. Ça va être vos deux critères pour prendre la masse et perdre du gras en même temps. Donc, en conclusion, ça se fait, mais pas pour tout le monde. Il faut vraiment que tu rentres dans ces deux critères-là. Et le critère numéro un, honnêtement, c'est comme si tu es all-in, mais tu ne rencontres pas le critère numéro un, tu ne prendras pas de masse et perds du gras en même temps. Puis si tu n'es pas all-in, puis tu rencontres le critère numéro un, ben tu prendras pas de masse, puis tu perdras pas de gras en même temps. OK? Il faut vraiment que les deux critères soient là. Donc, tu pars de où? Optimise tes sept sphères. Si tu fais ça, tu vas prendre la masse et tu vas perdre du gras en même temps. Donc, merci de m'avoir écouté. On se voit dans un prochain vidéo en espérant que ces petites vidéos-là peuvent vous aider à atteindre vos objectifs encore plus rapidement. Bye!